Ouais, petite TF du Battle Royale, les gars, ça fait plaisir en vrai. Ça fait grave plaisir. J'espère qu'on va bien s'en sortir. On a un beau stack, on est troisième en stack. Avez break push sur le côté. Y a plus qu'à. Y a plus qu'à, y a plus qu'à. On avait lancé la soirée pour le D2 de la Million Week. On finit sur le Battle Royale. Oula, oula. J'ai eu peur pour lui, hein. J'ai eu peur pour le frérot, là. Ok. Ici on va juste call. Je pense qu'on a une bonne main à call 4 ici. Je pense que les ranges sont quand même assez wild. Ah, est-ce que j'ai envie de revenir dessus là? Est-ce que j'ai envie de prendre le spot? C'est un bon spot pour moi ici. Je pense que je vais le prendre, les gars. C'est pas forcément pour le bounty. Je fais un peu fi de ça. J'espère que ça va pas créer. Les gens devraient pas trop penser que j'essaie de prendre le bounty. Je pense que c'est le move que j'aurais fait sans le bounty. Et je pense qu'il y a beaucoup d'argent mort tout simplement. J'ai pas été trop aggro jusque là. Je pense pas qu'ils m'ont vu faire des dingues. Et je pense que c'est un bon combo pour le faire. La bonne situation, le bon setup. On verra. Non. Bon, de toute façon, j'étais mal tombé. Dommage. Je suis tombé sur une vraie main, mais je pense qu'il n'y avait pas que ça dans sa range. Putain, il a quadruplé le frérot. Ici, je sais pas c'est quoi le mieux entre call et raise. Je pense que je vais raise maintenant. Ah là il fold hein. Oh, deux fois les as de suite, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah, j'ai envie de call ici en vrai. Même s'il call, c'est pas trop grave. Bon, je pense que Duchesse UTG, il a quand même pas beaucoup de 5. À part quelques A5 shoots, j'imagine. Ma reine, je pense qu'elle est quand même assez tight ici. Bon, sur le roi, il va beaucoup barrel normalement. Je vais juste call. Je devrais barrer le cher, je pense, entre 8 et 10. Bébé. Oh, il pote. C'est pour m'envoyer le parpaing river. Ok. Bon, je vois que A5 qui me bat, les gars, ici. Mais on perd de 9. Paire de roi, paire de valet, mais bon. C'est quand même peu de combo. Il sait que j'ai pas de 5. Ah, alors, quel sizing j'ai envie de faire ici? Je pense pas que j'ai envie de jam. S'il reste, j'ai call, les gars. Salut le baron, pourquoi pas chiffre? Parce que j'avais ma femme qui était un peu fatiguée, je voulais pas la laisser tout seul avec les gosses sur cette période-là. Je suis pas parti tout simplement. Salut Smokey Boy! La petite musique chill, check side player. Alors, si on me préparer à Zoo du Chess. Bon, je pars pour call hein, s'il reste à pied. Ok. Bonne opération pour nous en tout cas. Maintenant, on va pouvoir raise un peu plus. Quand East Joke nous laisse le spot, je pense que c'est un bon. Allez, on y va. Ok.
Ok, nice, on prend un palier, on prend un petit bout de 100 balles que je prends toujours avec le plaisir. J'aurais pu faire moins cher sur 4 bêtes avec Roi Dame off. Ici je vais call quand même. Ça c'est un bon flop à check raise. Avec l'ICM je vais check raise un peu plus cher. Ah, suite ici, je pense que c'est un open. Donc je fasse gaffe quand même ici. Alors ici, quand il flatte, il met quand même dans une position difficile. Ici, j'ai un check. Je vais avoir très peu de range de bet ici, je pense, dans ce spot. Sa range est quand même assez strong. Non, c'est un check call assez tranquille. Va être intéressant à la turn. Turn est pas mal. Attends, est-ce qu'il barrel quand même pas mal de Broadway? Valet 10, Dame 10, Dame Valet. S'il les a. Et ici, je pense qu'il a beaucoup de R quand il arrive River. Je pense que c'est une erreur de bête. Il peut avoir des SI, mais je pense que c'est pas la majeure partie de sa range. Je pense que le meilleur move, c'est de check call ici. Peut avoir des mains meilleures que la mienne, hein, évidemment. Intéressant, et la value As-Roi, j'aime bien. J'aime bien le value bet As-Roi ici, je pense que c'est très smart. Très très smart. Allez, les 7, les valets, les 3, les As. Malheureusement, ça va pas tenir. On va perdre un joueur. Ils ont des bounties bien stylés les deux là. Waouh, ok. Je pense qu'il est commit, non? C'est strong ici quand même. Hein. Waouh. Mauvaise nouvelle pour Stop Gambling, ça double chez Abin. Ça va être le cas. Ici, ça va open. Ok, il est pas censé avoir trop d'as ici, même s'il en a. Il y a une partie qui sont censées jam. Ce qui fait que j'ai un gros avantage ici. Maintenant, le problème, c'est que ma main a très peu d'équité. C'est dur d'assumer plusieurs barrels ici. Mais ça passe, c'est cool. Ça jam ici, c'est close parce que j'ai pas l'impression qu'il ait été trop actif. Est-ce que j'ai envie de bet ici? Si je bet, c'est pour commencer à faire fold des 6, des 8. Je pense que c'est pas trop mal en vrai. Faire à peu près le même sizing que tout à l'heure. Sim race, c'est un peu chiant. Je pense qu'ils en ont une pure défense, je vois aucun intérêt à faire autre chose. Je vais lead ce board. Ici, je peux pas continuer mon agression. Même avec des bonnes mains, ici, c'est une main que je vais check sur l'as. Et ici, je vais prendre le spot. Je vais lui mettre une décision. Il est important ce coup mine de rien pour garder mon chip lead. Waouh, c'était dur. C'était dur de faire full ça. Dommage. Je sais pas si je dois pas continuer sur le. Sur l'as en vrai, parce que quand je bet flop, je sais pas s'il va float tant d'as. Le problème c'est que j'ai bet petit, donc je pense qu'il a quand même pas mal de float avec les as. Ses meilleurs as. Donc ouais, je pense que c'est quand même ok. Ici on va 3 bêtes.
Je pense que c'est un 3-bet call ici. Dans ce spot-là. Je pense que c'est un 3-bet call. Je crois qu'on y est les gars, je peux pas fold ça. Il va être très important ce coup. Ouais, good luck. Let's go! Let's go! Bam! On le prend celui-là! Putain, yes! Petit bounty en plus. Fait plaisir ce flip les gars. Je pense que c'est un 3-bet call. Je suis pas sûr 100%. Si on va défendre. J'ai quand même fait gagner un petit palier sympa à Stop Gambling et à Bing Wen là. Ils sont tranquilles les deux frérots là. Je les ai mis bien. Si j'ai pas d'intérêt à check raise, c'est un board qui peut check back souvent, je pense. Je pense que je vais de barrel ici. Fonction de la river, c'est pas la meilleure river. Je pense que je dois la check celle-là. Il y a visé si bet. Dommage, cette river elle m'empêche de value, je pense. Ici, je vais open 2.5. C'est des 3, je vais pas descendre aussi bas. Sur le roi d'Amoff contre cette 6 shoot, je pense que tu peux essayer de block bet ici. Le problème c'est que dans cette config, je pense pas qu'il va trop surjouer le spot, tu vois, avec autant d'ICM, avec CR, je sais pas. Pas ce que j'ai vu du joueur quoi, si tu veux. Ici c'est difficile pour lui de rentrer avec de la merde bin. Il a quand même une pression ICM avec Stop Gambling qui est short. Pas qu'il a envie de jouer trop dans ce spot. C'est pareil ici, j'ai un bon spot de 3 bet, je pense. Je pense que je vais le prendre à cet off ici. As-10, c'est beau. Ça. Je pars d'ici.
Roi 10, je pense que je dois jam ici si je me retrouve en BBB. Roi 10 off. Si jam, Bing, c'est un fold évidemment. Et si ça va être un jam. Je vois pas trop d'autres façons de la jouer cette main. Est-ce que j'ai pas envie de jam any two ici? Je vais commencer à raise un peu plus cher. Celle-là, je prends pas. Il est content d'avoir le walk, hein, lui. Hein. Waouh! Voilà, si t'en as un qui fait tapis, c'est insane. Si j'hésite entre limp et open, je pense qu'il est pas assez agressif, qu'il va pas assez iso. Donc je vais prendre l'open. Si jam, je fold. Si jam, je vais payer ici. Paire de 7, tout sera payé. Ok. Allez, ça serait beau, il a un beau bounty. Let's go, let's go, let's go, la duchesse! Putain, mais Stop Gambling et Binwen, j'ai des carry, frère! Ils étaient tellement chiants toute la TF! Incroyable! Bon, ici, c'est un jam. Ici, je vais pas. Je vais pas abuser. Ils ont moins de pression ICM ici. Il y en a encore un peu, mais c'est pas le spot idéal. Pas sûr du call avec le 10-10, je crois que c'est un call quand même. Je pense pas que tu 3-bet ici à paire de 10 dans ce spot. En fait, le problème c'est qu'en 3-bet bouton, j'ai trop de spots. J'ai trop de 3-bet light ici en étant cheap et tout. Et du coup, je pense qu'il peut jam une tonne ici, il est compétent. Et roi d'ici, je vais fold. Waouh, ce split de l'espace là. C'est pas plus mal pour moi en vrai. Ici, est-ce que j'ai envie de jam? Je pense, hein. Je pense que dans ce spot contre un joueur compétent, je peux pas ne pas. J'ai pas envie de jam, je pense As Valley Off. C'est trop fort. Si jam, j'ai payé. Allez, il faut le gagner celui-là. Il est très important. Allez, As-3, As-3, As-3. Dommage. Je le relance dans le truc. J'ai eu un super spot d'avoir cette main-là en timing. Dame 10, c'est une main que je vais open ici. En BVB. Pour moi, c'est vraiment un 3-bet call, les gars. Il va size quasi sur QQ plus, donc 3-bet, c'est évident. En plus, c'est vrai que si tu pars du principe, j'avais pas pensé à ça, mais s'il va size ses plus grosses mains, effectivement, si je peux pas call. Ouais, non, mais dans ces configs là, je pense que c'est impossible de fold. Ouais. Ici, je vais jam hein, sur Stop Gambling si jamais ça fold de bouton. Mal tombé. Ah, dommage, j'ai vu la dame, j'ai commencé à kiffer, frère. Ok, dommage. Commence à le remettre bien lui, hein. C'est pas le bon bise. Il revient de nulle part, Stop Gambling là. Certains donnent leur avis sans analyse, comme si qu'ils faisaient la TF du BR chaque jour. Excellent.
En vrai, les gars, un chat Twitch est fait pour ça, les gars. C'est fait pour donner son avis et tout. Il n'y a aucun problème à partager ça. Au contraire, ça fait. C'est sûr que c'est mieux quand c'est appuyé par des éléments un peu plus constructifs. Sur, j'imagine que ça range, c'est ça. Ta range perçue, c'est ça et tout. Mais tu peux pas en vouloir aux gens. Ici, je vais continuer à open. Pour moi, dans ses poses, c'est impossible. En tout cas, avec ses stack size et tout, il sait que je vais abuse. Ça a l'air d'être un très bon joueur. Je pense qu'il a. Il a une palanquée de mains qui va jam. Qui... Voilà, je pense que contre sa range, je suis largement fine. Plus je le couvre, il y a le... même si le KO est plus grand chose, c'est quand même un petit truc en plus. J'ai quand même chaté d'avoir les bons setups contre les gros stacks. Je gagne le flip contre lui. Ici, je vais continuer à open. Je m'attends pas à ce qu'il ISO trop. J'ai beaucoup open. Il pourrait. Bon, pas du tout. Il pourrait se chauffer. Non, c'est pas le plan. Je vais rouvrir à 2x. Je pense pas que ça a beaucoup plus de value aujourd'hui là d'open à 2.5. C'était un peu plus intéressant dans la config tout à l'heure, je trouvais. Je vais pas payer ça. Je devrais peut-être ISO plus cher ici. C'est pas le flop idéal, je trouve ici. Et là, quand il reste, je pense. Je me demande si j'aurais pas pu check ce board en vrai. Bon, là, si c'est jam, c'est payé. Dommage, j'aurais été content de payer. Ok. Ils se battent pour finir au milieu deuxième. Alors attention, Stop Gambling, il est très très bien revenu, les gars. Il est très très bien revenu. C'est pas du tout gagné. Il défend pas assez Bean, c'est pour ça que je pense que je peux ouvrir à 2x. Je vais se battre ici. Je pense qu'il défend pas assez par rapport à ce qu'il devrait. Et là, si jam, je vais payer. Dommage. À payer si jam. Il lâche rien, Bina. Hein. Il lâche rien, le frérot. Là, je vais faire un 3-bet de Dina. Je pense pas que ce soit la meilleure main pour le faire, mais je pense qu'il peut vraiment pas payer grand chose ici. Et en vrai, Bean, plus longtemps il reste en vie, théoriquement, mieux c'est pour moi. Bon, ça sera payé, je pense, si il jam. Ça sera pas payé là avec lui derrière. Cette main n'est plus pour moi. 9. Oh. Est-ce que je jam ici? C'est risqué, mais je pense que le pot il est quand même très important. Jam, je pense que je rejam par-dessus. C'est un peu le même principe que tout à l'heure ici.
quasiment rien payé. S'il faut, je dois jam, je pense, 3-2 off. Je pense qu'il est quand même trop tight, Binissier. Pacienza le boss. Ah bah clairement là on est sur du lourd les gars. En termes de niveau. Ah. Il doit être dégoûté. Stop gambling, il doit être dégoûté frère. Bon ici c'est pareil hein. Je paye hein, si jam ici. Quel bâtard, putain, il me la met à chaque fois, hein. Il est amourable lui frère. Toute la TF il survit comme un ouf. Il doit être dégoûté Stop Gambling. Il était monté à 40 blindes, il a vraiment pas de chance en vrai. Il a vraiment pas de chance. Elle est marrante cette TF en vrai. Allez, mets-lui bordel. Intombable frérot, intombable Bin. A fini par l'avoir. Crois pas que j'ai envie de bluffer ça les gars, j'ai l'impression qu'il va trop me call ici. D'open à ce niveau-là, je vais limp la plupart de ma range. Ce sera payé si jam. Allez, c'est un flip. Let's go, les gars! La victoire! Let's go, let's go, let's go, let's go! Elle est belle! Elle est belle! Tic, 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 tic. Putain, on s'est régalé sur les kills, frère. On s'est régalé. Yes! Fait plaisir, les gars! Elle fait plaisir, c'était vraiment. Elle met la banane. Je suis trop content. Merci beaucoup les frérots d'avoir suivi ça. Ouais, merci beaucoup pour les good vibes et tout. J'ai kiffé. Je pense que la TF est ok. Je pense que le spot avec Didi c'est ok aussi. Trop cool. Trop cool les gars. Petite victoire sur le Battle Royale, c'est ma deuxième là-dessus. On n'aura pas d'e-board la Million Week, mais ça fait plaisir. Du coup, petite soirée up. Je pense aux alentours de plus 8K. Peut-être un peu plus. Presque 8500. Merci à tous pour le soutien les gars, je vais cut, je vais aller faire un petit bisou à ma femme, fêter ça, tout ça.